Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur World War Conquest, donc le mode de Warhammer sur Moon and Blood Warband, et j'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche. Alors, on va se... Alors, j'ai depuis le dernier épisode, j'avais fait une quarantaine de prisonniers, je m'étais ramassé des mercenaires dans ce coin-là, là en bas là. Attendez, hop. Dans ce coin ici là, et ils m'ont fait très très mal. Après je me suis tapé des gobelins de la nuit, quand j'étais affaibli, ils en ont profité, mais bon, j'ai résisté, j'ai eu quelques pertes que j'ai remplacées, et j'ai fait une quarantaine de prisonniers que j'ai revendus hors caméra, et ça m'a apporté 6000 deniers. Franchement c'était super. Voilà, j'en suis à 5000, mais ouais, je suis monté de... j'étais à 9000 et des poussières, je suis monté à 6000. Vraiment très avantageux, et je pense que je vais, faut que je fasse ça, faut que je continue à attaquer les bandits pour me faire un maximum de pognon, parce que j'aimerais bien surtout construire d'autres commerces. Parce que pour l'instant je suis dans le vert niveau finance, je gagne à peu près 400 deniers par semaine, je crois, c'est ça. Mais j'ai pas des... Je n'ai pas de boutique partout, et la majorité des boutiques qui rapportent de l'argent, qui rapportent beaucoup d'argent, ce sont les... on a certaines brasseries, ça dépend, en fait ça dépend de la ville en fait. Il y a des brasseries, soit des forges. On a ceux qui rapportent le plus d'argent, c'est les fabriques de velours. Et le problème c'est que c'est 10 000 deniers, la fabrique, et c'est très très cher. Et je préfère gagner mon argent pour nourrir mes hommes. Donc là, j'étais en train de poursuivre une armée de gobelins de la nuit, 68. Et on va le faire. Si j'arrive à les choper, venez là. Voilà. J'ai voulu choper des trolls, mais le problème des trolls, c'est que j'arrive pas à les capturer. En fait, à chaque fois, je les tue maintenant. C'est assez chiant. Et assez dur à capturer, alors que ça me rapporterait 1000 deniers par tête de troll. Mais bon. Oh, attention, il y en a... Attends, viens là, je vais la fumer, je vois rien du tout. Je l'ai eu. Ah, je lui ai foutu un coup, mais... Bon, il est mort. Il y en a un deuxième là, ou c'est moi? Là, 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 là! Chopez-le! Attendez. Bon, il est mort. Je voulais prendre mon fumier, mais j'y arrivais pas. Ouh là là. Mais j'arrive pas à prendre mon fusil. Voilà. Je suis dans la mêlée, je vois rien du tout. Oh non, non, je l'ai mort, je l'ai mort. Oh, quel buzzer, quel buzzer. Oh, chier. Non, non. Foiré, quoi. Alors, vous voyez les petites flèches là, c'est parce que j'ai fait une option, j'ai changé une option, et j'ai jamais testé. Et en fait, il va falloir que je retire ce truc, parce que je vois pas en fait ce que ça fait. C'est bizarre. Ça. Non, 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 suivez-moi, suivez-moi, là, j'ai eu des morts. On va reconstituer nos... Allez, les mecs, on se reforme. Tueur, on se détecte. Oui, c'est bon. Ça c'est pas dangereux qu'ils sont. Voilà, vous pouvez charger. Oh putain, il y a encore des skis. Putain, c'est chaud ces flèches là. Encore plus, encore plus.
J'arrive pas à les... Oh là là là, tu sais quoi, tu sais... Ouh là là, je suis mort moi. Merde, merde, merde. C'est Skig là qui se bouffe beaucoup. Bon, choper deux. Voilà. Ouh, je dois avoir moins une dizaine de morts là. Oh super, 9 morts, 5 blessés. Qu'est-ce que j'ai perdu? Des nains. Non. Non. Oh non, un chevalier qui est mort. Nain. Et un nain. C'est que des nains. Comme d'habitude, pour pas changer. Bon, ça va rapporter de l'argent. Tunnelier. Non, je ne garde que mes tunneliers. Maintenant, je vais pas prendre d'ingénieur. Resgard. Ça c'est cool. Alors ça je prends toujours. Et on va prendre toutes ces merdes, ça fait toujours un peu d'argent. Alors, faut que je voie. On va continuer. Pèlerin. Mince! Je me suis gouré. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Merde, je me suis gouré. Je me suis gouré. Tant pis. Chevalier errant. J'ai combien de... On va prendre des lanciers. Hop. Là, alors attendez, j'en ai 7, 8, 9, 10. Ok, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est ça que je voulais. On va les remonter. Voilà. Donc, combien j'ai d'impériaux moi? Je crois qu'on va recruter un peu plus d'impériaux et de bretonniers. Allez, on prend ça. On va à la Moussillon, on vend tous... Bordel, c'est quoi ça? Ah, des bandits. Venez là, venez là. Putain, ils sont trop rapides. C'est chiant quoi. 518, vous voyez. Attendez, on va les prendre au piège. Je vais faire genre, oh tiens, je vais aller par là. Oh mince, je vais les bloquer. Viens là, viens là, viens là. Ah ah. Allez hop. 130 contre 24, ça va être gérable. Et là, vous me suivez, putain. Bon. Alors... Ils sont où? On va faire pareil, petit mur de bouclier. Derrière nous là. Et il est là. Il est mort.
Ouf. Ouh là là. Ouf. Oh, reste à tête toi. Ah oui, faut que je retire ces flèches, j'ai oublié. Attention. Aïe. Bon, c'est un peu plus simple, juste un homme blessé. Et j'ai un détrusseur, ça vaut de l'argent, ça. Vous tous, on va vous mettre en guerrier des clans. Un tunnelier. Ah, soie brute. Ça c'est intéressant. Je vais pas la vendre, je vais la donner à mon... Je crois que j'ai un truc de velours quelque part. Je sais pas où il est, je sais plus où il est exactement, mais... Ah ouais, sur cet épisode là, on va faire la chasse aux bandits. Hein. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de guerre déclarée, c'est un peu compliqué de vous proposer autre chose que de la pour chercher des... De pourchasser des... Comment ça s'appelle les... Enfin, d'avoir une guerre. J'ai massé encore 30 jours de paix avec les orques et les gobelins. C'est assez chiant. J'aimerais bien toquer des châteaux moi dans cette saison. Prendre des châteaux, m'en emparer et tout ça. Alors pour ça, je vais beaucoup essayer de beaucoup jouer en hors caméra, mais j'ai pas trop le temps ces temps-ci. Et si je dois vous proposer un épisode par semaine, c'est compliqué. Quoi, il y a une attaque. Oh, je sens le guet-apens. Ah, si ça veut venir. Allez. Et le jeu a planté, non? D'accord. Putain, les changements de... Quand j'ai des attaques de bandits, le mode bug assez. On reste à tête. Putain, et les autres... J'espère que je vais pas mettre 30 ans à les trouver, hein. Que généralement ils bug là et on les trouve pas. En fait ils sont générés on ne sait où. Oh sérieux. Pourquoi tu regardes par là? Pourquoi ils sont par là les mecs? J'entends des mecs marcher dans l'eau, à mon avis ils sont dans la flotte. Bon. Alors. On en a déjà tué deux. Je crois qu'il en reste encore deux. Hein. Ah, ça m'énerve ce système d'attaque de bandits sur des maps complètement buggées. C'est bien, ils ont fait l'effort de modder les villes et tout, mais le problème c'est que cette situation là, c'est chiant, les mecs ils spawnent n'importe où et des fois c'est hors, ils sont pas accessibles quoi. Et c'est très très chiant. La dernière fois j'avais fait un truc comme ça, j'ai mis une demi-heure avant de trouver le mec. Ça m'a bien fait chier sur le coup. Et des fois ils spawnent dans la flotte. Tiens, vous l'entendez marcher là? Tiens, regardez, il est là. Toujours. Coucou. Alors, attends. J'espère que c'était le dernier. Pitié, dites-moi que c'était le dernier. J'ai pas envie de chercher les autres, quoi. Non, merde, il en reste un. Il est où, l'autre?
Oh, j'ai vu que ça bougeait là-bas. Est-ce que c'est mon chevalier ou c'est... À la recherche du gobelin perdu. Le petit gobelin est demandé à l'accueil. Non, ça c'est notre chevalier, ça. Mais je sais pas où il parle, mec. Puis... Tiens, j'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie de rentrer dans cette maison. Allez, si au moins il y avait de la musique, là, ça serait cool. On va faire ton 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 ton. Ah tiens, en cherchant ce énergumène, je tiens à vous informer qu'il va y avoir prochainement, je vais faire une vidéo découverte sur un jeu encore sur l'univers de Warhammer. Donc, vous allez en avoir trois fois plus de Warhammer maintenant. Alors pour ceux qui adorent le de Warhammer, youpi, après pour ceux qui ne sont pas familiers à cet univers, je vous plains. Mais bon, c'est un jeu que je suis depuis... Enfin, il était en Early Access depuis pas mal de temps déjà, et je suivais l'évolution. Et maintenant qu'il est enfin sorti complet, et en français, je vais pouvoir vous faire une vidéo dessus. Parce que je ne voulais pas vous en faire avant, parce que ça me fait chiant de faire des... J'en ai un peu marre des jeux qui sont jamais finis et faire une vidéo là-dessus. Et donc j'avais décidé d'attendre. Et là, j'ai réussi à avoir une clé. Et donc je vais pouvoir vous présenter le jeu. À défaut de pouvoir vous présenter d'autres jeux. Bon, il est où cet énergumène là? C'est casse-noisette. Bon, en même temps, visite la map. Voici une magnifique map de Moussillon. C'est une ville, comment dire, comment dire, comment on pourrait appeler cette ville? Disons qu'elle est dans un sale état, quoi. Une ville qui se trouve dans des marais. Il y a pas mal de morts qui se relèvent dans la région. On sait pas trop pourquoi. Mais ouais, il y a beaucoup de ghouls et de morts-vivants dans la région. Et, bon, la ville est toujours habitée, hein, par des habitants, mais disons qu'ils sont assez spéciaux, quoi. Un peu, bah en fait, je crois qu'ils l'ont représenté comme ils l'ont représenté ici, quoi. C'est un peu une ville taudis, je dirais. Oh là 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 là, fait chier. Je sais pas où il est. Bon, attendez, je vais faire une ellipse et on se retrouve quand je l'aurai trouvé. Re tout le monde, donc on se retrouve. Donc j'ai réussi à, enfin, le gobelin que je cherchais tant désespérément, en fait, je crois qu'ils avaient spawné dans une maison. Donc inaccessible pour moi, donc j'ai dû relancer le jeu, refaire le truc, et je les ai enfin eus. Quand je vous dis que ce truc est buggé, c'est que c'est vraiment buggé et c'est assez chiant. Parce que généralement, il y en a toujours un qui est bloqué quelque part et qui est inaccessible. Salut à toi, mercenaire. Et si j'en recrutais des ogres? Être peut-être intéressant, hein. En même temps, 4532 pièces d'or pour 3 ogres. Bon, allez, on va en prendre. On est fou. Ouais, de toute façon, j'en ai plus recruté que 2, je crois. Comme ça, on va voir ce qu'il vaut. Oh! Joli gobelet, je dis un joli gobelet. Très joli gobelet. Joli gantelet. Ah putain, même, attends, même des gants pour des hommes, un nain peut pas mettre quoi.
Ce point juste. Allez, on vend toutes ces conneries. Le poulet, on va le garder, hein. Je sais plus où j'ai. J'ai pas de commerce ici. J'ai pas de commerce. Faut que je trouve le rançonneur qui est galère à trouver le rançonneur. Il se planque toujours quelque part et j'arrive pas à tomber dessus. Un crash plomb, le mec il a un canon dans le dos quoi. Mais ça va être marrant. D'utiliser ça. 21 prisonniers. On va aller à Brionne. Je ne sais pas du tout où j'ai mon. Oh il est ouf. Excusez-moi, faut que j'aille aussi rendre visite à l'autre. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. Mais ça on s'en fout. Ok, bon, il n'y a pas de controverse sur moi, c'est bien. Alors regardez, les nains. Donc, on est en guerre contre personne. Et pour les gobelins, la rêve va expirer, la trêve va expirer dans 33 jours et les orques 27 jours, donc c'est long. C'est très long. Putain, je voulais faire un truc. Ouais, c'est ça en fait. Donc ma fabrique de velours est à Karad-Kadring. D'accord, bon bah je dois aller par là-bas en plus. Voilà, j'ai fabrique de velours, ferronnerie, j'ai 3 forges. Et j'ai 3 brasseries. Donc voilà, il faut que j'en fasse encore d'autres. J'ai une fabrique de velours qui rapporte beaucoup beaucoup d'argent. C'est celle qui me rappelle le plus. Et là pour l'instant j'ai pas de revenus pour mon village. Parce que c'est pas fini. C'est pour ça que j'aimerais bien construire. En fait dans toutes les villes. Toutes les villes de Bretonnie, toutes les villes de l'Empire et celle des nains. Construire des fabriques. Allez. Alors, on va faire un tour à la taverne. Lâchez-moi. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de rançonneur, d'accord. Désolé, mon chien s'est mis à aboyer parce que le téléphone a sonné, donc j'ai dû couper le micro. Alors, vous avez vu qu'il y avait des pirates zombies ici, là, non, qui se baladaient en bateau. C'est vraiment parce que je les vois jamais. Je sais pas en fait, on peut pas faire de. D'ailleurs, faudrait que j'aille chercher mon bateau, je l'ai foutu ici. Je sais pas où je l'ai foutu. Il est par là, non? Il est par là, je crois. Ah, il est là. Ouais, je le récupère, mais ouais, les pirates zombies, j'en ai jamais croisé. Enfin, je veux dire, on peut pas nous attaquer sur l'eau. Donc, je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. S'ils restent tout le temps sur l'eau ou si des fois ils débarquent. Parce que des fois, je les vois pas débarquer. Inventaire, ouais, j'ai mangé de la bouffe. On va rentrer à Karad-Kadring. Oh, j'aimerais trop attaquer des caravanes, mais mon roi ne va pas être content. Chiant. Une petite guerre avec les Skyburns aussi, ça serait drôle. Oh là là.
Alors, on va prendre ça. Ok. Il n'y a que des trucs de qualité là-dedans. Ici j'ai une brasserie. Taverne. Est-ce que t'as rançon... Ah, te voilà toi. Oui, j'ai les prisonniers à vendre. Donc, l'ancien impérial, j'en ai 7 à 60 deniers. Hop, ça fait du bien. Détrousseur, 192, j'en ai 2. Brigand, 96. Gobelin. Ah putain, c'est. Tu vois, les chefs de guerre, ils coûtent très cher. Chauffeur Squig. Ok. C'est ce qui me rapporte le plus d'argent, les prisonniers. Voilà, on est mieux. Faut jouer avec Caracadrine, donc c'est par là-bas. Voilà. Hop, 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 hop. J'espère que les ogres mangent pas plus que... Enfin, en vrai, les ogres mangent autant que 10 hommes. Alors j'espère que dans le jeu, ils n'ont pas fait ça. Hein, sinon, ça va me coûter très cher en bouffe. C'est-à-dire du pain, des fruits. Grand carquois de bleu. D'accord. Prendre ça et on va prendre ça. Voilà. On a pris de 576, 241 déjà là. Aïe aïe aïe. On va aller hop. Alors oui, quand on pille des villages ou des caravanes et qu'on a des matières premières pour nos commerces, il faut aller leur donner directement parce que eux ça va nous faire des économies en fait. Au mieux que notre voilà, mon maître teinturier ici. Voilà, ils ont un inventaire, achètent, bah en fait si je lui mets directement ici, ça va déjà prix d'assassinat, ça va faire des économies et en fait on gagnera derrière un peu plus d'argent forcément. Alors. D'accord, bon, je... On peut stocker tout dans l'entrepôt jusqu'à ce que je revienne. D'accord, ça c'est pour faire de gros profits. Examinons les comptes. La production velours est une valeur de 2110 pièces d'or chaque semaine. Nature au prix de 121, ça signifie théoriquement que nous devons faire un profit de 417 pièces d'or par semaine en supposant que nous ayons des matières premières en stock et que nous avons tout directement sur les marchés. Mais oui, il faut y croire. Donc ouais, eux c'est la teinture et le... C'est du lin je crois qu'ils utilisent. La ferronnerie c'est bien sûr du fer. Du lin et du velours. Enfin voilà, du lin pour fabriquer du velours. Du lin de la teinture pour fabriquer du velours. On a la brasserie, c'est forcément du blé. Puisqu'il n'y a pas de houblon dans le jeu. On a beaucoup beaucoup de trucs avec les matières premières. Très utile. C'est pas ici que madame se trouve. Non, elle se trouve... De l'autre côté, super. Allez, on va voir Notre-Dame. Hein, je peux passer par là? Attendez, on va voir si les orques... Attention, attention, attention.
Ils sont combien? Oh, ils m'aiment toujours pas. Hein. On se casse. On va éviter la bagarre avec les orques. Surtout si j'ai pas, surtout si je ne fais pas le poids. Votre relation avec le prince des tombes, d'accord, moins 2, moins 5, seigneur, data. Oui, c'est cool, merci. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il bouffe? Ça doit être les ogres. Je suis sûr et certain que c'est des ogres. On a beaucoup beaucoup de force en présence, ça c'est bien ça. Hop. Alors, on va déjà rendre visite à machin. Youhou, ma dulcinée, je suis là. Elle veut toujours pas de moi. Oh pardon. Non mais je m'en fous de ça. Gna 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 gna. Je sais pas ce que tu rates. Alors, de la bouffe, encore de la bouffe. Allez, un peu de fromage parce que là c'est aussi un peu triste tout ça. Ici j'ai une ferronnerie. J'aimerais aller à au pic éternel. Oui, il faut que je voie déjà combien j'ai de d'argent. Alors, 15, 5 000, enfin 15 000 émeraudes. Donc, je pourrais peut-être. Ça, c'est pour la loyauté. Moi, non, pour l'instant, c'est pas utile. Et ça, je ne sais pas pourquoi. C'est sanctuaire, un petit lieu de culte pour la population réduite. La moitié de la solde de vos troupes tant que vous y serez. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aimerais bien le faire. Parce que j'ai aucun endroit. Parce que si j'ai envie de me reposer dans des châteaux ou dans des grandes villes, il faut que je paye. C'est 32 deniers la nuit, je crois, un truc comme ça coûte cher. Et puis d'un côté, réduire la moitié de la solde de nos troupes. Ça c'est bien ça. Ça me coûtait moins d'argent. Donc on va le faire. Parce que de toute façon je n'ai qu'un fief, c'est celui-là. On va lancer la construction. Et je pense que d'ici. Je pense que je vais jouer hors caméra. Et d'ici là, ça sera fait. Enfin j'espère, si j'ai le temps. De toute façon, on va se laisser là. C'était, ouais, c'est un court épisode, hein, moins long que d'habitude. C'est parce que voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà, c'était pour juste pour vous présenter un épisode. Et je vais essayer d'avancer. Oh, joli, 333. Je vais essayer d'avancer vraiment hors caméra, vraiment pour qu'on ait plus de trêve ou autre et que, enfin voilà, qu'il y ait une petite guerre qui déclare. Qu'on ait des gros combats et que enfin je puisse agrandir notre territoire. Donc voilà, moi c'est là, j'espère que cet épisode vous a plu, hein, malgré ces quelques bastons. On se retrouve très vite sur d'autres séries dans le monde de Warhammer surtout. Et je vous dis à tous une très bonne semaine. Ah bah tiens, je t'ai payé. Ouh, ouais, 380, super. Allez, ciao tout le monde!